Yo les potes, nouvelle boutique du 30 avril 2020. Archi en retard, mais bon, c'est pas grave, je la fais quand même au cas où. Si jamais il y en a qui peuvent pas lancer leur jeu, bah je vous la fais. Même si je suis trop en retard, mais bon. En passant, avant que je vous montre vite fait, il y a eu des nouveaux défis de domination locale, mais je me suis réveillé un peu tard et j'avais pas lancé mon jeu, je savais pas. Mais il y en a énormément, genre, il y a 3 étapes pour chaque défi, il y a 4 pages. Bon, il y a que 2 pages en attendant, mais enfin, c'est ultra long, donc ça va mettre un peu de temps pour que je vous les fasse. Alors du coup, on a Guff au prix de 1200 e-bucks, qui est très moche, le plus moche du monde. Sceptre Soyer au prix de 800. Oh, pas mal, ok. Ensuite, on a Cabot 1500 e-bucks avec 3 petites customs, qui est plutôt rentable, hein. La première custom par contre, elle était pas belle. Os à ronger 500 e-bucks, le petit revêtement canin, ok, dégueu. Et le petit sac d'os qui est un peu gros mais que je possède parce que je veux un peu tous les sacs à 200 e-bucks. Mutique 1200 e-bucks. Skin tryhard. Son outil de collecte qui est dégueu. Petit revêtement, on s'en fiche. Le revêtement, ça sert à rien. Baliseuse que j'avais acheté à l'époque parce qu'elle était ultra stylée mais au final pas ouf. Marbure ondoyante. Ok, revêtement pareil, on s'en fiche un peu. Dab infini. Ok. Appel au combat. Bon, cette danse, elle est sortie en saison 7, mais j'ai l'impression que je l'ai pas revue depuis. Donc ça se trouve, elle est rare. Bon, en tout cas, voilà. Elle est grave sympa. Et puis un petit skin au prix de 800 V-Bucks. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez au code créateur INSQ dans la boutique. Ciao! Et puis les défis, je sais pas trop si je vais les faire, mais en tout cas, il y aura du retard. Ciao, ciao!